et bienvenue dans ce grand retour d'Histodico. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Antiquité et plus précisément de la bataille d'Alésia. Tout commence en -52 avant Jésus-Christ. À cette époque, les Romains tentent de conquérir toute l'Europe et plus particulièrement la Gaule, notre France actuelle. Les Gaulois arrivent à résister jusqu'à ce que la bataille d'Alésia opposant César et Vercingétorix, le chef gaulois, arrive. La bataille a duré de juillet à septembre, -52 avant Jésus-Christ. On peut dire que ça fait de drôles de vacances et une rentrée vraiment déprimante. Après un certain nombre d'escarmouches favorables à l'armée romaine, le chef Vercingétorix se retrouve encerclé dans l'oppidum, l'agglomération d'Alésia. Fin août, début septembre, les Gaulois essayent de se désencercler, mais leurs attaques sont vaines et les Romains arrivent à les repousser et à les séparer. Au même moment, les Romains capturent le cousin de Vercingétorix, ce qui démoralise le chef gaulois. En plus, il craint la famine, car les livreurs UberX et Picnic ne peuvent plus passer, ni même les livreurs romains Deliveroom. Et enfin, c'est le grand moment, Vercingétorix doit se rendre. Oh, grand César, j'accepte ma défaite et je dépose mes armes à tes pieds. Ah, Rome ne craint rien. Ni personne. Finalement, Vercingétorix passera 6 ans en prison et mourra sûrement exécuté. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de commenter et manger des cookies au sanglier.